didn't even get to cross. Yo les gens, c'est D.I. John Doe et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Far Cry 3, épisode 15 de mes prises d'avant-poste. Voilà, donc j'espère en attendant pour vous que ça va très bien, on part comme d'habitude, ça va nickel, j'ai la patate et donc on se retrouve sur ce magnifique jeu. Et là on est en pleine cambrousse là, actuellement on est juste à côté de l'avant-poste, regardez. J'aime bien un petit peu toutes ces parois rocheuses hein, qui sont très agréables à descendre, mais pour les remonter, il faut bien galérer. Voilà, donc on est parti tout de suite pour cet avant-poste. Et donc on commence, hein, comme d'habitude, par un habituel marquage des ennemis. Donc c'est parti. Alors cet avant-poste m'a l'air vraiment petit, tout petit petit, et assez bien chargé en bâtiment. Donc ça devrait pas être trop galère. Théoriquement, on ne devrait pas avoir de soucis. Alors je pense pas que je les ai tous marqués. En attendant, je pense qu'on va commencer par ceux-là. Alors, je sais pas si je vais commencer par celui d'en bas ou celui d'en haut. Parce que celui d'en bas, s'il reste là, il va me faire chier. Ok, celui d'en haut est complètement défoncé. Lui, je vais me le faire. Lui, il faut que je me le fasse tout de suite. Hop, voilà, comme ça, on est tranquille. Lui, il va être chiant à niquer, là. Je fais comment? Ah, putain, j'ai failli me faire... Il y en avait un juste là, là. Deux même. Ok, bon, je pense que j'essaie de me le faire par le dessous, lui. Voilà, en plus, il tombe bien là. Enfin, j'espère qu'il tombe là. Normalement, il est tombé à côté de moi. Résultat, ils vont pas le griller. Alors, eux, je pense que je vais me les faire en dernier parce que ils sont en plein milieu, donc forcément. Alors que eux qui sont à couvert, je devrais pouvoir me les faire sans aucun problème. J'espère qu'ils vont pas se retourner. Bon, ils sont tous, les deux sont défoncés. Voilà, hop, petit enchaînement. Ça, j'ai pas, vous avez pas l'habitude de le voir, ça. Parce que ça, c'est rare que j'attaque deux ennemis quand ils sont collés. Alors, wow, on va se les faire directement en les attaquant. Je pense que un petit caillou pour les distraire. Et puis on y va. Parce que là, ils regardent les deux dans un endroit différent, donc c'est assez risqué. Mais je vais. Ouais, j'ai pas envie. Voilà ce que je veux. J'ai pas envie. Parce que là, si je le fais, il va me griller, sûr et certain. Je préfère encore leur mettre un caillou, au moins comme ça, l'autre il se retourne et puis on est tranquille, on peut y aller. Ok, donc là, ça va être bon. Je vais en relancer un, histoire d'être sûr, parce que le feu de camp, il me fait peur, là, le temps que je le contourne. Oh putain. Voilà, heureusement que j'y étais pas allé tout de suite. Et voilà. Et bah écoutez, voilà, c'est fini. Tranquille, bah, comme je l'avais dit, hein, c'est un avant-poste super chargé, donc pas de problème. Et donc, voilà, mission réussie. Avant-poste libéré, non repéré. Magnifique. Et bah c'était bien. Normalement, l'avant-poste numéro 15. Donc j'espère en attendant bah, que cette petite mini-série vous plaît, hein, comme d'habitude. Parce qu'il y a quand même 34 épisodes, donc ça me ferait chier que ça vous plaise pas. Hein, n'hésitez pas à me le dire au fur et à mesure des épisodes, hein, que ça vous plaît, etc. Ouais, donc, comme d'habitude, c'est petit crevard qui arrive toujours en retard. Et puis, comme d'habitude, hein, c'est sur des petits décors, hein, comme ça qu'on va se laisser. J'aime bien, le... franchement, putain, mais qu'est-ce que j'aimerais aller hein, dans un de ces endroits-là. Oh là, on serait quand même bien, on serait quand même. Ouais, pas de soucis là-dessus. Bon, en attendant, ouais, on va arrêter de rêver. Et puis, moi, pour ma part, bah, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.